Bonsoir à tous, frères et sœurs, ou qui nous regardez ce soir. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous sommes vendredi 23... 23... Euh, 22 octobre, pardon. 22 octobre que 2020, que le Seigneur soit béni. Voilà, donc euh, normalement ce soir on devait être avec notre frère Christ euh, qui devait partager quelque chose, mais... Euh, voilà, il n'a pas, pas pu être disponible parce qu'il il a eu un contretemps familial. Quoi qu'il en soit, que le Seigneur soit béni et nous saluons Christ, sa famille, que le Seigneur vous garde et tous les frères qui nous regardent. Alors, sans plus tarder, on va prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur pour que lui seul prenne le contrôle de toutes choses. Père. Sois béni, sois élevé au nom de Joshua pour... Euh, ta parole pour euh, ces moments, pour cette télé, pour les cœurs que tu disposes, pour les cœurs que tu touches, pour mon cœur que tu as touché, Seigneur, alors que j'étais dans la délinquance, tu m'as sorti de là. Seigneur, merci. Merci pour ces années dans la foi. Merci pour, euh, pour tout, pour la vie, pour le souffle, pour l'intelligence, pour la crainte de ton nom, pour l'esprit, pour la connaissance. Merci pour tout. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Que ce soir, toi seul nous conduise. Que ce soir, toi seul nous dirige. Que nos cœurs soient devant toi comme des petits-enfants. Car tu as dit, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme des enfants, vous ne pourrez hériter le royaume dessus. Seigneur, que nos cœurs soient simples et humbles. Ce soir, au nom de Joshua. Amen. Donc ce soir, on va... On va partager deux exhortations, une interpellation et une exhortation, euh, une, courte exhortation une courte interpellation sur un sujet qui est d'actualité. Alors euh, nous savons tous que depuis plusieurs mois euh, le COVID-19 bon, frappe quasiment le monde entier. Quelques pays sont épargnés. Euh, quand on dit épargné, c'est par rapport au nombre de, de décès. Et le Gabon n'a pas été en marge de cela parce qu'on a quand même enregistré, selon les chiffres officiels, plus de 50 morts et euh, plusieurs cas de contamination et plusieurs guérisons par la grâce du Seigneur. Et le gouvernement a pris des mesures qui ont été, euh, qui ont été annoncées à plusieurs mois. Je crois qu'on les avait, on devait être au mois de mars ou d'avril, que les églises, hein, les lieux de culte, pas les églises, les lieux de culte... Parce que qui dit lieu de culte dit pas seulement les chrétiens, dit aussi les autres religions. D'accord Et ça, les chrétiens n'ont pas été les seuls à, être, à avoir été touchés par rapport à cette mesure. Et vous savez, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8 au verset 28 que toute circonstance concourt au bien de celui qui aime Elohim. Vous voyez Ça veut dire que lorsqu'une circonstance arrive en tant qu'enfant du Seigneur, on ne doit pas d'abord voir le mal. On doit d'abord interroger le Seigneur pour savoir, Seigneur, pourquoi as-tu permis cela Vous voyez Et là, tout de suite, la pensée qui me vient à l'esprit, c'est que nous vivons un christianisme aujourd'hui où la persécution est mal perçue, où l'injustice est mal perçue, où un mauvais traitement est mal perçu. C'est forcément vu comme étant une œuvre de Satan, alors que l'Église d'avant, l'Église primitive, les croyants de l'époque ont tous vécu la persécution. Yoshua, notre maître, notre modèle, a vécu la souffrance. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains, au chapitre 6, que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Donc il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans injustice, même quand elle n'en est pas réellement. Il n'y a pas de vie chrétienne sans moment de déroute où on se demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est le cas actuellement pour nous. Nous vivons une époque particulière avec le coronavirus. D'autres avant nous ont vécu ce genre de, de choses avec la peste, avec euh, le, la tuberculose, avec euh, la fièvre, la grippe espagnole, avec pas mal de maladies qui ont affecté le monde et qui ont, qui ont causé plusieurs décès. Alors le gouvernement a pris des mesures. L'objectif de ce soir, ce n'est pas de commenter les mesures du gouvernement. Elles sont, euh, elles sont motivées euh, par des raisons que le gouvernement a, mais c'est pour parler d'une action que les chrétiens ont décidé d'engager sous le nom de chrétiens et euh, en prenant les écritures. Et dès lors qu'on prend les écritures, ça engage l'ensemble des chrétiens et on est quand même obligé de prendre une position et de donner une autre position. Face à ce qui se passe pour que l'ensemble des chrétiens ne soient pas mêlés à cela. Non, pas parce que euh, on fait de la politique, non, on ne fait pas de la politique. Non, pas parce qu'on prend un parti pour quelqu'un, non, on prend parti pour la parole du Seigneur. Vous voyez Et dès lors que la parole du Seigneur est mise en faute à cause du comportement d'un ou deux frères, ou trois frères, ou un groupe de frères, ou un groupe de chrétiens, on se doit de prendre position. Et c'est aussi ça notre rôle en tant qu'enseignants de la parole. Dans le but d'éclairer les frères pour qu'ils ne rentrent pas dans des choses qui vont les mettre euh, en conflit avec le Seigneur, qui vont attrister l'esprit du Seigneur dans leur vie et qui vont encore donner un mauvais témoignage parce que beaucoup aujourd'hui ont un mauvais témoignage de l'Église hein, parce que aujourd'hui euh, l'Église c'est quoi C'est les scandales, l'Église c'est la pédophilie. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église de façon générale. L'Église, c'est la pédophilie. Il y a de nombreux scandales de pédophilie dans le monde en rapport avec l'Église. Peu importe qu'elle soit l'Église A, l'Église B, l'Église C, c'est des scandales qui touchent l'Église, donc que les gens rattachent au nom du Seigneur Yahushua. Des scandales euh, de, de, de crimes euh, rituels, des pasteurs qui ont tué des gens avec des preuves et finalement qui ont été incarcérés, des pasteurs qui violent, euh, des détournements d'argent, de vols d'argent, et on ne peut pas être insensible à ce genre de choses et ne pas parler. La Bible nous dit ne prenez pas aux oeuvres, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc nous condamnons les œuvres, nous ne condamnons pas les hommes, nous condamnons les œuvres qui sont derrière. Et ce soir particulièrement, je voudrais condamner d'accord cette, euh, cette affiche cette euh, décision qui a été prise par des chrétiens par euh, euh, un groupe de chrétiens qui ont décidé d'embarquer les enfants du seigneur dans leur rébellion envers la parole vous voyez envers la parole parce que si on se rebelle envers les autorités on se rebelle envers la parole et on aura l'occasion de le voir rapidement alors si mon frère Joïs peut afficher euh, peut nous afficher l'image, pour que les frères et sœurs savent de quoi il s'agit. Il y a l'image de personne dessus, donc euh, il n'y a pas de souci. Alors, il s'agit de cette affiche qui circule sur les réseaux sociaux et que personnellement j'ai reçu parce qu'un frère me l'a envoyé. Alors, l'affiche dit que c'est le collectif des leaders des communautés pentecôtistes et charismatiques de réveil qui organise imprécations et jugements contre les méchants du pays. Somme 101, verset 8, mercredi 21, 22, 23, voilà. Et on nous dit en bas, imprécations et actions prophétiques et sont du chauffard sur tous les carrefours du territoire national. Vous voyez Et on nous dit au-dessus, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, jeûne et prière contre les tueurs de destin de 6h à 18h. Vous voyez On nous parle d'imprécations. Imprécation, si euh, les frères à la régie peuvent nous trouver la définition d'imprécation pour que euh, les frères comprennent c'est quoi une imprécation. Parce que souvent, on envoie aux gens des affiches, on met des choses, mais ils ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Donc, si on peut nous trouver la définition du mot imprécation et nous le mettre à l'écran, ce serait bien. Donc, vous avez pu constater que l'affiche dit tous occultent le 25. Donc, on va essayer de. Décortiquer certains éléments qui sont dans l'affiche pour éclairer les frères et les sœurs qui nous suivent par rapport à cette affiche, par rapport à cette décision prise par les leaders. Euh, si on peut fermer la petite image annonce de Google là qui s'affiche. Voilà, merci. On peut bloquer l'annonce. OK. Alors on peut fermer aussi l'annonce vidéo là qui s'affiche. Il y a la petite annonce vidéo qui s'affiche. Si on peut la fermer. OK, merci. Alors, imprécation. Imprécation, c'est malédiction proférée contre quelqu'un. Parole ou souhait appelant le malheur sur quelqu'un. Imprécation, c'est malédiction proférée contre quelqu'un. Parole ou souhait appelant le malheur sur quelqu'un. Est-ce qu'on peut prendre, cliquer sur synonyme pour voir les synonymes d'imprécation, s'il te plaît, mon frère? Juste au-dessus, à un endroit, c'est marqué un synonyme. Juste au-dessus, à côté des définitions. Non, voilà, synonyme, merci. Anathème, exécration, malédiction. Vous voyez, donc, euh, le, la, la, la Bible est écrite en français et c'est du français que nous parlons. Donc, on est obligé d'aller dans les définitions des mots pour montrer aux uns et aux autres. Si on peut cacher la citation juste en bas, là, qu'elle n'apparaisse pas. Merci. Voilà, donc on nous fait comprendre que les imprécations, ce sont des malédictions. Vous voyez? Ce sont des malédictions prononcées contre quelqu'un, des paroles ou un souhait. Donc, on comprend que ce que les, le collectif des pasteurs ont décidé de faire, c'est de demander aux chrétiens de maudire le gouvernement, de maudire les personnes qui ont pris les décisions en rapport avec les cultes, fermeture des lieux de culte et ça n'est pas correct par rapport à la parole et on ne peut pas laisser de telles choses se passer dans la nation et ne pas dénoncer cela ce n'est pas normal. la bible nous demande de prier pour les autorités c'est écrit. la bible nous demande de prier pour nos autorités que parce que le bonheur de notre, notre bonheur en dépend par rapport aux décisions qu'ils prennent. alors si on a prié pour nos autorités et que les autorités ont pris ces décisions Accordons le bénéfice du doute en nous disant, derrière, c'est le Seigneur qui est en train de travailler et il sait pourquoi il laisse le gouvernement prendre ses décisions. Vous voyez, la Bible nous fait comprendre que le Seigneur tient toutes choses entre ses mains. Toutes choses. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte et que Pharaon prenait des décisions, la Bible nous dit que c'était le Seigneur qui endurcissait son cœur. Dans quel but Dans le but de faire manifester sa gloire. Moïse, Moïse Mosché n'est jamais allé voir Pharaon pour donner une malédiction. Jamais. Mosché et Aaron sont allés voir à chaque fois Pharaon pour lui donner la parole qui venait de la part du Seigneur. C'est-à-dire, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore dans le désert. Pharaon disait oui. Enfin, au départ, il disait non. Après, il disait oui. Et après, il changeait d'avis. Et on a vu le Seigneur prendre le temps pour faire fléchir Pharaon. Grâce aux signes et aux prodiges encore qui étaient produits grâce à la parole du Seigneur. On n'a pas vu Moshe, Moïse aller maudire Pharaon. Donc vous voyez, frères et sœurs, ça ce n'est pas une attitude correcte. En tant qu'enfant du Seigneur, on ne peut pas accepter de telles choses. Vous voyez Nous, on se met en marge de ce genre de choses et nous encourageons les chrétiens, lecteurs de la parole du Seigneur, qui ont une relation avec le Seigneur, à comprendre que ça, c'est clairement, clairement euh, de la distraction. Et si mon frère peut me trouver l'article là où on dit que les pasteurs sont au pain sec, hein, c'est parce que les pasteurs aujourd'hui sont au pain sec. Ils vivent des dîmes, ils vivent des offrandes, ils ne veulent pas travailler, ils vivent sur votre dos. Et aujourd'hui, comme les réunions sont arrêtées et qu'ils savent qu'en étant à la maison, beaucoup n'envoient pas les dîmes, n'envoient pas les offrandes, sachant que la dîme n'est plus d'actualité en tant que chrétien, parce que c'était une pratique de la loi, non seulement ils sont anti- anti-machia anti par rapport à cette doctrine. Mais en plus de ça, ils, ils veulent vous amener, vous, à prendre le risque de désobéir au gouvernement. Alors vous imaginez, chrétien, vous avez vos enfants, vous avez vos familles, vous allez partir, soi-disant, au culte, alors que le culte, c'est notre vie, nous rendons le culte au Seigneur selon Romains chapitre 12, qui dit que non, on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant saint et agréable, ce qui est de notre part le culte raisonnable. Donc l'adoration, le culte que nous rendons au Seigneur, c'est le culte de la sanctification, c'est le culte de l'obéissance à la parole du Seigneur, c'est le culte où nous gardons notre corps dans la sainteté et dans la justice. C'est ça le culte. Et le culte, ce n'est pas dans ce lieu qu'on appelle temple, parce que la Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit d'Élohim habite en nous. Donc, le culte ce pas, ne se rend pas dans un bâtiment. Le culte se rend dans notre vie, dans ce temple que nous sommes, où nous sommes en relation constante avec l'esprit d'Elohim l'esprit de Yahushua, du Seigneur. Vous voyez. Donc, en fait, les bâtiments qui sont des bâtiments d'église sont simplement des lieux de rassemblement où les gens peuvent se retrouver pour pouvoir prier, mais ce ne sont pas, ce ne sont pas euh, des temples. Vous voyez, frères et sœurs, donc il y a tellement de mélanges, tellement de confusion qu'aujourd'hui, les gens ne savent même plus où ils en sont parce que la parole du Seigneur est détournée aux fins humaines. Les hommes veulent manger. La Bible nous fait comprendre qu'il y a des gens qui ont pour Dieu, qui ont pour Elohim leur ventre. Ils mettent leur confiance dans les choses de la terre. Donc c'est parce qu'ils sont au pain sec que maintenant ils veulent vous instrumentaliser, se servir de vous pour arriver à leur fin. Nous disons non à cela et nous encourageons les chrétiens à dire non chrétiens fléchissez vos genoux demandez au Seigneur il vous dira clairement que cela ne vient pas de lui ce sont des traditions c'est une décision humaine une décision humaine les chrétiens peuvent se réunir si deux chrétiens habitent dans le même quartier ils sont à deux à trois ils peuvent prier ensemble qu'est -ce, qu ce qui empêche à ces chrétiens de prier ensemble comme s'ils se rendaient visite ils mettent leurs masques et ils prient ensemble vous voyez c'est une visite, je rends visite à mon frère en Christ, on se retrouve, on prie, à deux, à trois. Et ceux qui sont à la maison, qui ont leur femme, qui ont leurs enfants, ben ils prient en famille, ils n'ont pas besoin d'avoir un test Covid puisqu'ils vivent ensemble. Vous voyez Et le Seigneur se glorifie, le gouvernement n'a pas interdit aux familles de prier ensemble. Vous voyez Donc, et les églises, à l'époque, quand la première église est née, ils étaient réunis tous ensemble, ils se réunissaient au temple. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour casser cela Il a suscité la persécution. Vous voyez, et la Bible nous fait comprendre que tous, excepté les apôtres, s'étaient dispersés. Et quand ils se sont dispersés, il y a eu le réveil. La Samarie a été touchée. Beaucoup de, de pays, beaucoup de villes ont été touchées. Beaucoup de régions ont été touchées grâce à ce mouvement de persécution. Vous voyez, parce que les chrétiens passent du temps dans leur bâtiment d'église, on n'a même pas le temps de parler avec nos voisins. On n'a pas le temps de parler avec nos collègues. On n'a pas le temps de parler avec notre famille parce que l'Église avait pris la place du Seigneur dans nos vies. Vous voyez, beaucoup de chrétiens préfèrent donner leurs dîmes dans les assemblées sans se soucier de leurs voisins qui n'ont rien, rien à manger. Vous voyez, quand on ne connaît pas, c'est une chose, mais il y en a qui voient leurs voisins dans la difficulté, dans la souffrance, mais comme ils veulent être amis de leur pasteur et soi-disant avoir les bénédictions, ben, ils préfèrent aller donner les dîmes, et aujourd'hui que ces pasteurs n'ont plus les dîmes, ben, voilà, ils vous amènent à vouloir maudire des hommes qui sont faits à l'image d'Elohim pour arriver à leur fin. Et nous disons que cela n'est pas biblique, frères et sœurs. Réveillez-vous et faites attention. Ne vous mélangez pas à cela. Vous voyez Ne vous mélangez pas à cela. Ne vous mélangez pas à cela. Alors, on va prendre un passage qui me vient comme ça à l'esprit. Alors, c'est dans, euh, dans euh, 1 Corinthiens. Chapitre 6, on va lire le verset, verset 8. Non, pardon, c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Je recherche le passage. Alors, je vais le retrouver. Merci Seigneur. Le Seigneur va nous faire du bien. OK, on va prendre 2 Corinthiens chapitre 6. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. OK. De Corinthiens 6. On, on va remonter à partir du verset 14. OK. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial Bélial c'est Satan, les démons. Ou quel rapport a le fidèle avec l'incrédule Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles car vous êtes le temple d'Élohim vivant. Selon ce que Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc dans ce passage-là, on va lire le parallèle, vous pourrez lire aussi le, le parallèle dans 1 Corinthiens chapitre 6. Vous voyez, la Bible nous demande déjà de ne pas toucher à ce qui est impur. Vous voyez. Ce qui est impur, là, c'est quoi C'est la malédiction. On ne peut pas toucher à la malédiction parce que pour proférer la malédiction, oh merci Seigneur. Alléluia. On va prendre Jacques. Alléluia. Merci Seigneur. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Dans Jacques chapitre 3, pardon. Jacques chapitre 3, à partir du verset 2. Jacques chapitre 3, à partir du verset 2. Le Seigneur nous fait du bien. Car nous trébuchons tous, nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, il peut même tenir en bride son corps. On va descendre maintenant. On va au verset 5. De même aussi, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez quel petit feu embrase une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'injustice. Ainsi, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la roue de la vie en elle-même, étant elle-même enflammée par la gêne, c'est-à-dire par l'enfer, par le feu. Vous voyez le feu de la gêne. Car toutes les espèces d'animaux sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne peut être contenu. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Elohim et Père. Et par elle, nous maudissons les humains faits à la ressemblance d'Elohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce? Et l'eau amère, c'est une question. Mes frères, un figuier peut-il produire des olives et une vigne et une vigne de figues De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et l'eau douce. Ici, l'auteur, l'apôtre Jacques, nous fait comprendre que on ne peut pas maudire parce que de notre bouche, en réalité, si on tient notre langue, on ne doit pouvoir sortir que des paroles de bénédiction. Mais comme on n'arrive pas à tenir notre langue lorsqu'on parle, on peut discuter et on peut sortir des choses. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas calculé. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que nous péchons tous. Que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait Elohim menteur. Mais quand il s'agit de calculer, d'aller maudire les gens, on vous demande de prier, de jeûner pour maudire les gens, frère. Ça, c'est la sorcellerie. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Galates Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à l'Évangile, à l'Évangile d'Elohim Qui vous a ensorcelé et ça, on veut vous ensorceler pour vous amener à faire des choses qui ne sont pas à l'image d'Elohim, qui ne sont pas en accord avec la parole du Seigneur. Chrétiens, faites attention. Vraiment, faites attention. Et quand ces messieurs décident de prendre le passage de psaume 101, verset 8, qu'on va lire, on ne va même pas le lire, on ne va même pas se fatiguer avec ça. Vous pourrez le lire à la maison, vous l'avez certainement lu pour ceux qui ont reçu l'affiche. Psaume 101, verset 8. On parle ici, nous sommes, c'est David, c'est psaume de David. David était sous la loi. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous fait comprendre dans Matthieu chapitre 5, je crois au verset 40, à partir du verset 42, on va le lire. D'abord, mon frère, on va d'abord prendre le psaume 101, on va, on va prendre le psaume 101, pour que les chrétiens comprennent la consistance de ce qu'il y a dans cette affiche. Psaume 101, le verset 8. Vraiment, par la grâce du Seigneur, nous allons vraiment décortiquer cette affiche pour que les chrétiens comprennent que ça-là, il n'y a pas Jésus derrière. Il n'y en a pas. C'est Satan. C'est Satan qui est derrière. Voilà. C'est la cupidité, c'est l'envie de l'argent. Donc dès qu'on a retrouvé Psaume 101, verset 8, on peut l'afficher. Alléluia. Vraiment, c'est terrible. Il est écrit, j'exterminerai chaque matin tous les méchants de la terre afin d'exterminer de la cité de Yahweh tous ceux qui pratiquent la méchanceté. Là, c'est David qui parle. Et nous savons tous qu'à l'époque, les guerres existaient et les hommes avaient, on était dans une dispensation, ce qu'on appelle les dispensations. Il y en a huit, vous voyez. Dans les huit dispensations, il y a la dispensation de la loi. Et dans la dispensation de la loi, il y avait la loi de œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez Œil pour œil, dent pour dent. Et cet œil pour œil, dent pour dent, la Bible nous fait comprendre que toute la loi a été accomplie en Machia, en Jésus. Vous voyez Maintenant, voyons qu'est-ce que Joshua dit lui-même. On va prendre Matthieu 5, à partir du verset 40. Vous voyez, ça, c'était la loi. Et dans la loi, on nous disait beaucoup de choses. Mais Joshua est venu il est venu nous faire rentrer dans la grâce et il nous a montré maintenant qu'est-ce que nous devons faire, nous qui sommes sous la grâce. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 40. Alléluia. Alors on, va lire, alors, on va lire à partir du verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter. Verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Là, c'est la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit, donc à l'époque de la loi, à l'époque de Mosché. Joshua dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent afin que vous soyez les fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant Est-ce que vous voyez un peu, frères et sœurs Regardez ce que Joshua dit au verset 43. C'est clair. Vous avez entendu qu'il a, qu a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent faussement. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Chrétien, c'est écrit. Là nous sommes sous la grâce. On ne peut plus maudire les ennemis. Alléluia. On va prendre Luc chapitre 9. On va voir un exemple. Luc chapitre 9. Lucas chapitre 9. Lucas chapitre 9. Lucas chapitre 9. On va prendre au verset 50. Verset 50. On va commencer à lire. Verset 52. À partir du verset 51. Lucas chapitre 9 à partir du verset 51. Or, il arriva comme les jours où il devrait être enlevé s'accomplissait, qu'il affermit sa face pour aller à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains afin de préparer pour lui. Mais ils ne, les, ils ne le reçurent pas. Parce que sa face était dirigée vers Jérusalem, vous voyez. Donc il y avait un motif pour lequel on ne le reçut pas, on ne reçut pas Yeshua. parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Il devait partir à Jérusalem pour, selon l'esprit, selon le plan du Seigneur, pour être crucifié pour notre salut. Vous voyez. Mais regardez derrière, il se passe quelque chose. On ne va pas le recevoir. Maintenant, regardez les disciples qui sont avec lui, les apôtres. Hein, à l'époque, ils n'avaient pas encore reçu l'esprit. Regardez, verset 54. Et voyant cela, les disciples, Jacob et Yohanan, dirent Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel et les consume, comme l'a fait aussi Elisha, 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 Elia, ça dit Elie? mais se retournant il les réprimanda d'une manière tranchante, et disant Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes, car le Fils car le Fils d'humain n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ainsi ils allèrent dans un autre village. Regardez frère, il y a eu une situation. Le Seigneur n'a pas permis qu'on le reçoive dans un village de Samaritains parce que il devait partir le temps où il devait être enlevé, où il devait être crucifié, où il devait être tué pour le pardon des péchés du monde, arriver. Et il voulait rentrer dans un village de Samaritains, on ne le reçut pas. Et les disciples qui étaient avec lui ont comprendre le langage spirituel du Seigneur, comme c'est le cas aujourd'hui, de comprendre le langage spirituel du Seigneur, avec cette histoire de COVID, que le Seigneur veut les églises dans les maisons. Il veut une relation de 2, 3, 4, 5, 10 personnes pour que les chrétiens puissent avoir le feu s'embraser, que chaque chrétien ait une relation dans sa famille avec le Seigneur, que chaque chrétien puisse avoir le temps de s'occuper de sa propre famille, ses propres parents, visiter ses parents, prier pour eux, jeûner pour eux. Ça-là. Les pasteurs veulent vous embrigader dans les églises pour faire les cultes des 6h à 18h, les réunions lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que vous n'ayez plus le temps de voir vos familles, que vous n'ayez plus le temps d'avoir une communion avec le Seigneur et qu'ils puissent continuer à vous dépouiller l'argent, à pouvoir coucher avec les, 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 les femmes qu'ils qu qu prennent en captivité, à pouvoir avoir les femmes qui vont venir chez eux pour s'occuper de leurs enfants, à pouvoir avoir des gens qui vont s'occuper d'eux pour leur donner l'argent et tout le reste, frères et sœurs, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et nous le disons clairement et nous n'avons pas peur. Voilà. Nous le disons clairement. C'est de l'arnaque. Si quelqu'un estime que ce n'est pas de l'arnaque, il est libre. Les tribunaux sont là. Il peut aller porter plainte. Vous voyez C'est de l'arnaque. Si mon frère Joïs peut m'afficher à nouveau encore l'affiche là, on va voir encore quelques éléments qu'on va pouvoir décortiquer avant de passer à l'autre exhortation. Alléluia. C'est de l'arnaque, chrétien. Alors, on nous dit imprécation et jugement. Qui juge La Bible nous demande, on va garder la fiche un temps, la Bible nous demande de ne pas juger, de ne pas juger avant le temps. De quel jugement la Bible nous parle La Bible nous demande de juger les œuvres, d'accord, mais de ne pas juger les hommes, parce que c'est Yoshua qui a été établi juge des vivants et des morts. Qui sommes-nous pour juger les gens Qui sommes-nous pour juger ceux qui ont pris ces décisions En vertu de quoi ces hommes se lèvent pour dire que nous allons faire le jugement contre les méchants du pays ce n'est plus le Seigneur qui rentre en jugement contre les hommes. Dans la Bible, il est écrit Ne vous vengez pas vous-même, car il est écrit À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. D'où vient ce jugement On veut se venger maintenant Même si les gens se sont trompés. Ben laissez le Seigneur justifier. Laissez le Seigneur justifier les chrétiens. L'œuvre appartient au Seigneur. Vous croyez que le Seigneur n'est pas capable de justifier son œuvre Alléluia. On va prendre un autre passage. Par rapport à la justification, on va prendre Matthieu. Matthieu, chapitre. Alors, on va prendre Matthieu, je vais retrouver le passage. Matthieu, chapitre 27. Alors, Matthieu, chapitre 26, pardon. Chapitre 26. Matthieu chapitre 26, on va lire à partir du verset, on est au verset, on va, on va lire à partir du verset 50. Matthäus chapitre 26 à partir du verset 50. Ok, merci. Et Joshua lui dit, compagnon, là il parle à Judas, pour quel sujet es-tu ici alors, s'étant approché, ils mirent les mains sur Yéhoshua et le saisirent. Et alors, l'un alors, de ceux qui étaient avec Yéhoshua, ayant étendu la main, tira son épée et ayant frappé l'esclave du grand prêtre, lui emporta l'oreille. Donc, voilà ici, là, une personne qui marchait avec Yéhoshua, qui a voulu faire justice au Seigneur. Il a voulu défendre le Seigneur. Vous voyez, non Il a pris son épée et il a frappé l'esclave du grand prêtre et il lui a coupé l'oreille. Verset 52. Alors Joshua lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Tous ceux qui maudissent là, vous allez attraper la malédiction. Parce que celui qui... La Bible nous dit que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Vous voyez Et la malédiction, c'est la chair. Vous voyez C'est des malédictions. On ne peut maudire que quand on est poussé par la chair. Si on est poussé par l'Esprit, on bénit. Vous voyez Et il dit... Alors, Yeshua lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenir maintenant appeler mon Père et il m'offrira à l'instant plus de douze légions d'anges. Une légion, si je ne me trompe plus, c'est mille personnes, c'est mille soldats. Vous voyez Je crois qu'une légion, c'est mille, hein je, je crois, je ne sais plus. Une légion, ça doit être mille, entre cent 100 et mille. Vous voyez Donc... Il dit, il pouvait invoquer son père. On devait lui envoyer douze lésions d'anges. Or, on sait qu'un seul ange peut détruire la terre entière. Ouais. Il dit, comment donc ça accomplira ça les écritures Il faut qu'il en arrive ainsi. Frère, c'est écrit dans la fin des temps que dans la fin des temps, ben il y aura des moments difficiles. C'est écrit dans la biblique comment dans la fin des temps, l'Église doit être cachée. Biblique comment C'est comme ça. L'église doit se cacher dans la fin des temps. Parce que l'église, dans l'Apocalypse, qui sera persécutée, il n'y aura plus les réunions. Donc le Seigneur est en train de nous faire entrer dans ces choses parce que le salut est beaucoup plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Mais aujourd'hui, plus que beaucoup ont perdu l'œil spirituel. Vous voyez Et Yoshua va dire ça il va dire au fils Isaacar que, à, à, à aux Juifs, de leur dire que vous savez discerner les, les temps vous savez discerner quand il va pleuvoir ou pas, mais vous ne savez pas discerner les temps spirituels. Et c'est le les, les temps dans lesquels nous sommes. Les hommes, les chrétiens, beaucoup de dirigeants d'église ne savent plus discerner les temps dans lesquels nous sommes par rapport aux Écritures. Vous voyez. Et c'est grave. Et c'est pourquoi on vous amène dans ces histoires. Chrétiens, n'allez pas participer à ces choses, n'allez pas maudire nos autorités. Parmi ces autorités, il y a vos parents, il y a vos cousins, il y a vos amis. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a peut-être votre belle-sœur, votre beau-frère. Vous savez, le Gabon, on n'est pas nombreux. On n'est même pas 3 millions d'habitants. Donc. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde a une relation avec tout le monde. Vous voyez Donc, quand vous allez maudire comme ça, vous maudissez peut-être le, le grand frère de votre, de votre collègue. Vous maudissez peut-être euh, le cousin de votre épouse. Vous maudissez peut-être euh, 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 peut même le propriétaire de l'entreprise dans laquelle vous travaillez parce que vous savez, les actionnaires ne sont pas forcément connus des employés. Alors, si cet actionnaire-là meurt aujourd'hui et que vous travaillez dans une entreprise qui est en difficulté et que c'est lui qui souvent renflouent les caisses de l'entreprise pour qu'elle continue de tourner aujourd'hui, ben vous allez non seulement tuer, enfin, encore que le Seigneur si le Seigneur permet qu'il meure. Vous allez non seulement tuer cette personne, maudire cette personne, mais ben vous allez mettre des personnes potentiellement au chômage si cette personne meurt. Donc chrétiens, ouvrez les yeux et soyez intelligents, c'est de l'arnaque. Ces hommes sont au pain sec, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas faire des affaires, ils veulent gagner de l'argent sur votre dos. Ne participez pas à cela, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Avertissez tous les chrétiens qui sont autour de vous et dites-leur que le Seigneur vous a ouvert les yeux et partagez avec eux. Voilà, ce message, on va le laisser passer euh, pendant encore... Euh, alors, mon frère Joïs, c'est quand le 25? Le 25, c'est dimanche. Alors, on va laisser passer ce message jusqu'au 25. Voilà, on va le laisser passer au moins euh, trois ou quatre fois par jour pour que les chrétiens qui ont l'occasion de regarder la chaîne de télévision puissent euh, euh, regarder. On va aussi le mettre ce soir en ligne sur notre page YouTube, euh, Réveil, Réveil TV pour Jésus-Christ, voilà, pour Yoshua, Réveil TV pour Yoshua. Et vous pourrez, pour ceux qui ont euh, YouTube, vous pourrez la télécharger ou bien prendre le lien et partager avec euh, d'autres personnes. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Comprenons si on peut encore afficher l'affiche, euh, afficher cette, euh, ce, cette image-là. Voilà. Comprenons que cette affiche-là que vous voyez, ne participez, à cela, ne participez pas à cela. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Restez dimanche chez vous. Priez avec votre famille, vos enfants, votre épouse. Euh, voilà, chez vous. Voilà, en famille. Passez un bon moment. Vous voulez prendre le repas du Seigneur. Vous pouvez prendre le repas du Seigneur en famille. Les chrétiens prenaient le repas du Seigneur dans les maisons. C'est écrit dans les Écritures, dans le livre de Actes, qu'il rompaient le pain dans les maisons. Donc, vous pouvez prendre le fruit de la vigne, vous pouvez prendre le pain, vous pouvez prendre un repas ensemble, parce que le, le, le repas du Seigneur c'était un vrai repas. On aura l'occasion dimanche, hein, si le Seigneur permet, à partir de 10 heures, on aura une série d'enseignements. Je vais voir avec les frères, voilà, pour qu'on puisse donner une série d'enseignements en direct. On aura le téléphone qui sera là, vous pourrez poser les questions. Voilà, nous ne disons pas aux uns aux autres de venir chez nous, parce que vous voyez, depuis que nous faisons les émissions, nous ne parlons pas des églises, nous parlons de Yoshua. Donc, le but n'est pas d'amener les gens dans les assemblées. On n'a jamais parlé d'église, on a toujours parlé du royaume. Donc, dimanche, si le Seigneur permet, à partir de 10 heures, on aura une série d'enseignements. Voilà, il y aura un enseignement qui va commencer, un premier frère, il termine, un autre va prendre. Voilà, donc si le Seigneur permet, dimanche... On va donner un enseignement sur le repas du Seigneur, comment cela se faisait dans l'Église primitive et comment les Écritures demandent de le faire. Voilà. Et si le Seigneur permet, on partagera aussi un enseignement sur le mariage, les fiançailles et tout ça le même dimanche, si le Seigneur nous donne la vie, la force et si il le permet. Voilà. Donc on fera passer l'annonce, une bande déroulante pour vous informer, pour vous confirmer si oui ou non. Il y aura cette série d'enseignements le dimanche. Que Joshua vous garde, que Joshua vous bénisse. Et à tout à l'heure, dans 10 minutes, pour une exhortation. Tout à l'heure, c'était une interpellation face à, à cause de, de ce désordre-là qui est causé par ces, par ces pasteurs. Et là, maintenant, on va partager une exhortation pour nous encourager, pour nous bâtir, pour nous édifier pour le retour du Seigneur. Que le Seigneur vous garde dans 10 minutes. À tout à l'heure.